watch how I move, yeah. Hit it, hit it, hit it, hit it, hit it. Shit in my day, yeah. Troisième jour à Tokyo. Alors on n'a pas fait le programme qu'on avait prévu, mais on fait un programme stylé quand même. Derrière moi, le temple Azu. Je sais pas. Pourquoi on n'a pas fait les plans? Parce qu'on voulait faire le marché des pêcheurs, mais on est dimanche et le marché des pêcheurs c'est fermé dimanche. On le fait, on fait ça demain. Mais du coup on le fait demain. Et le temple d'Asakusa, c'est ça? Bah oui, c'est Asakusa Temple. Ah, Asakusa Temple. Du coup, c'est cool, il y a la queue pour faire des photos, donc on va pas faire de photos. De nuit, on va revenir parce que c'est trop beau de nous. Mais là, déjà, c'est trop beau. Ouais, c'est grave, c'est. Enfin, bref. Valentin est en train de traquer sa première proie. Tu l'as eu? Got the bro. Tuto prière, 100 yens. Ouais. T'as pas la technique, hein? Ah, non, mais... Maintenant, faut qu'on retrouve ce signe. C'est pas ça? Ah non, c'est celui-là. Ah ouais. C'est celui-là, non? Ouais. Putain, je l'ai trouvé rapide. Mais ça veut dire quoi, ça? C'est content de ta blague? Tu veux que je le refasse? Bon, alors c'est quoi le programme là? Sans voiture. Oh. Là, le programme, c'est. Ouh, c'est chouette ce petit banger. Banger. C'était bien en vrai, t'aurais pu. Ouais, mais j'avais pas chargé. Ok. Bon, quelle est la suite du programme? Là, j'ai un peu froid donc je vais aller m'acheter un pull. Chez Uniqlo. Et Lara, je crois qu'elle a un peu froid donc elle va s'acheter un pull chez Uniqlo. Ou un bob. Et après on va aller voir la tour, okay. Tokyo Skytree. Et après je sais pas. Ici on pense que c'est le quartier chinois parce que ça fait très chinois quand même, les rues, les écritures, la bouffe, les gens. Mais on sait pas, on va vérifier l'info. Ok, là, essayage de bob. Ok. Premier bob. Cute. Cute. Cute sur 10. C'est quoi cette couleur? Celui-là, je l'adore. Celui-là, je l'aime trop. C'est ton bref? Ouais, mais il va pas avec tout. Troisième bob. Trop grand. Je vois rien. Et dernier bob? Et ça, c'est le plus simple, quoi. Et combien t'as de bob déjà? Deux, mais c'est des hivers. T'en as trois? Non, deux. Non, mais le troisième il tombe pas du tout. Quoi? Pas du tout le mettre. Il est immense. Il est beaucoup trop grand. Mais lui. Ah, mais l'orange est peut-être plus beau. Lara, elle a déjà deux bobs blancs. Et elle veut se racheter un bob blanc. Peut-être l'orange. Moi, mon préféré c'est le bleu clair. Je veux pas le bleu clair. Ah, c'est quand même mon préféré. J'ai le droit de donner mes goûts, chacun ses couleurs. Chacun son chemin. Lui, c'est quand même le plus chiant. Ok, imagine, je te mets en situation. Tiens, un petit bout de shit, frites-le. Bon, du coup, on a fait du shopping, j'ai acheté mon petit bob que j'avais vu hier. J'ai hésité avec l'orange. Hein. Mais celui-là, je le mettrais plus. L'orange, je le mettrais moins parce que bah, il va pas avec tout. Hein. Alors que lui, je le mettrais plus et je me suis acheté un sweat noir aussi basique, mais parce que j'avais froid. Un sweat noir basique parce que j'avais froid et parce que j'avais pas de sweat noir basique. Donc c'est très pratique. Et là, on est à un point, le Box Dome, qu'on avait marqué. Et ensuite, on va aller au parc vu sur la tour de Tokyo.
et on commence à pas avoir faim mais à avoir les jambes qui fatiguent, donc on va pas non plus trop tarder à manger. On va faire le parc et ensuite on va aller dans un quartier et à ce moment-là. Qu'est-ce qu'on a commandé, ça s'appelle? Je vais le noter là maintenant. J'ai oublié le nom. Je crois que ça commence par Y A. Yamakatori, un truc comme ça, non? Yamatori, un truc comme ça. Et en fait, c'est un japonais hier qui s'est testé ça. Voilà. Donc, sans trop attendre, on teste. Ça se trouve, c'est dégueulasse. Hein. Non, c'est impossible. On dirait des muffins salés. T'as l'air sympa. Attends, pourquoi ça bouge là? C'est le vent, ça? On dirait qu'ils se replient sur eux-mêmes. Tu testes en prems? T'as l'air vachement vivant. Non, arrête. Attends, le vent, ça les fait pas bouger comme ça. Oui, c'est vrai que c'est bizarre. Non, ça c'est vivant. Bah alors mange pas ça. En fait on dirait un peu une omelette, non? C'est beaucoup d'œufs. Le goût c'est trop bon là. On goûte juste la garniture. Hein. C'est vrai que c'est bon. T'es sûr ça bouge? C'est pas du tout ma bonne main. Ne jugez pas ma prise en main de baguette. Ah c'est bon. Du coup je pense vraiment que c'est vivant. Je pense que c'est des trucs de calamar. Ouais ça sent le poisson, c'est bizarre. Ok je vais pas manger ça. T'aimes pas? Ça sent le poisson. Et ça bouge donc j'ai un peu peur. Ah mais il y a du calamar dedans. Ou du poulpe. C'est bon? Ça a pas l'air bon. En vrai c'est bon mais c'est un peu au mou. Mais par contre là c'est du poulpe ou du calamar, non? Ouais, c'est des mini poulpes. Hein. Moi déjà le poulpe là ça me... Il a tous ces trucs là. Ok c'est vraiment le premier truc bizarre que je goûte du Japon. Et en vrai je crois que j'aime parce que là j'ai nouveau envie d'en manger. Je crois que j'aime en fait. Oui c'est un peu une omelette. Salé c'est bon non? Ah ouais un peu omelette ouais. En tout cas c'est la texture d'une omelette bien molle avec un peu plus de saveur quand même. Donc ça va. On va le finir. On va manger, mais finalement il est quelle heure? Il est déjà au moins 13h. Hein. Bon appétit! Comment on dit bon appétit? Kanpai. On verra ça. Ouais, je crois que ça veut dire. J'ai envie de manger, c'était très bon. Et là on se balade dans... Moi je trouve que ça fait un peu Chinatown. Mais c'est le quartier Ueno. On va faire le parc Ueno. Et après on va rentrer. Et j'aimerais bien prendre un matcha mais je sais pas où le trouver. Et ce que j'ai pas dit c'est qu'il y a énormément de monde parce qu'on est dimanche, du coup bah tout le monde est dehors, normal hein. Et puis vu qu'on est dans un parc, et bah c'est l'activité du dimanche. Mais ouais, énormément de monde hein. Ouais. Partout. Partout. Et on sait ce qu'ils font dimanche. Hein. Bouchka must like a bitch, I'm ready. Kore kara omoshiroku naru 2020. Vous êtes fatigué monsieur? Un petit peu fatigué, je crois que j'ai besoin d'un café. Me too. Un caramel latte pour Valentin et un matcha pour Lara. Son premier matcha du Japon. Ça sent les algues des sushis en fait. C'est très chaud par contre. Oui, ça va. Je vais en prendre un peu et je vais redire après. Mais là, t'en penses quoi? Bah, j'ai l'impression de manger les algues des sushis. Bizarre. Mais apparemment c'est très bon pour sentir. Non mais j'aime pas. Non t'as abusé là. J'ai mis un roulant. Non vraiment. Mais Lara, peut-être que t'es pas une LA girl. Meuf qui aime le matcha. Et bah tu seras pas ce genre de meuf. Maintenant épisode Valentin goûte le matcha. Ouais. Attends c'est mise au point là zéro. Ok c'est good on est bon. Oui. Moi j'aime bien. Je vais pouvoir prendre son latte au caramel. En fait faut boire ça comme une soupe. Oui, mais le goût est pas bon. Ça va. Ah moi j'aime pas le goût hein. Ah ouais. Vraiment ça me donne des relents hein. Ah ouais toi t'aimes pas. Mais vous goûtez toi? Ouais bah j'ai goûté hein. J'ai même pris 4 gorgées. Par rapport au egg coffee au Vietnam. Non le egg coffee j'avais trop aimé hein. C'est le premier truc du Japon que j'aime pas. Ah non avec les autres trucs. Putain aujourd'hui c'était journée de défaite hein. Aujourd'hui tout ce qu'on a goûté voilà. Mais bon moi j'ai un caramel latte. Ah ouais celui-là est bon. Mais tiens même toi tu dis ah ouais celui-ci est bon. On teste des choses pour vous, hein.
Le matcha, c'était pas une expérience très agréable pour moi. Bref, là, on va aller bientôt à l'hôtel. Je dois faire pipi, mais Valentin a envie d'un Dr Pepper. Donc, première fois sur les machines. Oh, c'est une machine, hein. Ouais, mais c'est marrant. Ici, il y en a partout au Japon. Putain, il tombe vite. What the fuck. Et un Dr Pepper, hein. Et voilà, nouvelle expérience complete. C'est une machine à distribuer, hein. C'est vraiment pas un truc de fou. Ça non, c'est après moi j'ai envie d'un truc bon et j'ai soif. Ok. Enfin bref, là on va aller se poser parce que hier on a fait l'erreur de pas se poser et à 18h on était vraiment mais morts. Donc là en plus on est fatigué. On va aller faire une sieste. Ça c'est le mien. Il est beau gosse, fun. Ouh, Japan. Et ça c'est celui-là. Il est tout triste. Je t'emmerde. On a fait une sieste et maintenant on est de retour dehors pour aller manger sushi. Enfin, les sushis. Ça fait 3 jours qu'on est au Japon et j'ai pas encore touché un sushi à part des onigiri. Donc je suis très très contente et on mange au sushi qui est un peu connu où les sushis elles arrivent sur des assiettes, sur un petit coin comme ça. Et donc tu vas en commander combien? Et on commande sur les tablettes et j'ai un peu demandé tout plein. Genre illimité. J'ai trop hâte, c'est trop bien. On est dans le quartier de Shibuya. Encore. Ça va, on n'a pas trop attendu, hein. On a attendu combien de temps? 10 minutes. J'ai un petit matcha pour Valentin. On dirait que moi j'ai mangé beaucoup plus que toi. Kawaii lady, I fuck me. Life is a movie. Iku hatini. Omo kuni zenbu kiri kure money. Regardez ce que leur aïe boit. Matcha. C'est meilleur que sans lait en fait. Parce qu'en fait, ici ce qu'elle a pas dit. C'est de la poudre de matcha, le robinet. Et du coup, le verre. Et ça c'est illimité. Et là ça va, c'est bon. Donc je vais pouvoir faire la élégant. Combien tu lui mets sur 10? C'est bon. Non, 9 parce que c'est trop bouillant. 10 sur 10 pour l'expérience. Après les sushis. Les sushis, je les trouve pas plus exceptionnels qu'ailleurs, mais l'expérience. Vous vous souvenez de ce spot? Valentin n'a pas dit son dernier mot. Une musique, deux musiques, trois musiques. Elle est nice, t'en as pas marre de prendre des gens qui marchent en photo? Je vais la prendre sans rien. Stylé, trop stylé. Trop cool. Celle-là, hein? Ouais, trop cool. Oh, elle est belle, hein. Elle aussi, elle est trop cool. Celle-là? Non, l'autre. Elle... Les lumières, je trouve qu'elles sont vraiment bien, là. Ouais, mais là, le mec, il est en cross, c'est trop stylé. Mais là, il n'y a pas assez de lumière. Ouais. Celle-là? Elle, avec les... Les passages piétons, c'est cool. Encore une trop bonne journée au Japon, à Tokyo. Et c'est fini pour aujourd'hui. Demain, c'est notre dernière journée avant de partir pour Kyoto. Trop cool. On a bien mangé, là. Mais là, on s'est régalouse. On a trop soif parce que je pense que c'était hyper salé, mais bref. Donc on va passer au 7-Eleven et puis on va faire un gros dodo. On se retrouve demain pour un nouveau vlog à Tokyo. Demain ça va être une grosse journée. Ouais, demain ça va être une grosse journée. Une grosse journée. À demain.